Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer sur notre série consacrée au JavaScript. Bon, maintenant que vous savez c'est quoi JavaScript et où s'exécute un cours de JavaScript et aussi l'environnement de travail à utiliser pour coder en JavaScript, nous allons répondre à la question où écrire le code JavaScript. Alors, nous avons principalement trois endroits. Nous pouvons probablement le créer dans le réducteur de notre page HTML ou encore le créer juste avant et la balise. Body et le troisième endroit c'est de l'écrire maintenant dans un fichier séparé qu'on va joindre à notre page HTML. Maintenant nous allons rentrer dans la pratique. Voilà, donc ici j'ai créé une page HTML déjà. Donc vous voyez une page HTML où j'ai mis une liste ordonnée. Donc lorsqu'on regarde ce que ça donne, c'est ça. Et on va maintenant écrire notre premier code JavaScript. J'ai dit le premier endroit, c'est de l'écrire ici, dans notre header ici. Donc, on utilise la balise script. Je vais dire script. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre un code JavaScript. Il est alert. À l'intérieur, je vais dire. Premier code. Premier code JavaScript. J'enregistre. Donc lorsque j'enregistre, je vais maintenant et j'actualise. Donc j'actualise. Vous voyez, donc ça me dit premier code JavaScript et ça continue pas à tourner en boucle. Mais quand je vais cliquer maintenant, ça montre ce qu'il y a là. Donc on a ouvert d'écrire maintenant notre premier code. Donc voici le premier endroit où on peut écrire notre code JavaScript. Deuxième endroit, c'est de l'écrire en bas. Comme je l'ai dit, ici, juste avant cette balise, j'enregistre aussi. Donc, maintenant, je vais changer ici pour mettre deuxième. 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 Donc, je vais pousser devant. Autour de cette, je vais pousser devant seulement. Voilà. Donc je viens de ce côté et j'actualise. Donc on a cette page indique deuxième code JavaScript. C'est bien, ça marche. Donc deuxième endroit. Voilà. La troisième maintenant c'est de lier. Donc on écrit notre code maintenant JavaScript dans un autre fichier séparé. Il y a créé à l'avance ici et index.js. Donc on le lit. Fichier HTML, mais comment? En utilisant l'attribut souche. Donc souche vous dit que c'est index.js. J'enregistre et ceci, j'ai copié ça. Ce code maintenant, c'est au niveau de notre index. On a écrit ça. Donc, je peux le prendre ici directement. Voilà. Et là, je mets troisième. J'enregistre. Alors si j'enregistre, c'est bien. Je viens de ce côté et il va actualiser. On va voir. Donc ça nous écrit cette page indique troisième code JavaScript. Vous voyez comme ça marche. Donc vous connaissez déjà les trois endroits où nous pouvons écrire notre code JavaScript. Donc le premier endroit c'est de l'écrire dans le header. Le deuxième c'est de l'écrire juste avant la balise fermante de body. On a pas HTML toujours et le troisième endroit c'est de le créer dans un fichier séparé et on va lier sur ce fichier et JavaScript à notre fichier HTML et comme ça on pourra travailler. Alors si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime.